Salle affiche mal, c'est un atelier pour découvrir l'influence des stéréotypes de genre dans la publicité. Donc là, je vous présente des affiches pour des chauffeurs privés qu'on trouve dans le métro. Et donc, en fait, chaque affiche prise indépendante, elles sont bien, elles sont plutôt sympas. Elles montrent les aspirations finalement familiales et professionnelles de ces chauffeurs pour montrer qu'ils ont aussi une vie par ailleurs. Le problème qu'on a là, c'est quand on met ces deux affiches en regard l'une à côté de l'autre, il y a un homme et une femme. Mais ce qu'on voit tout de suite finalement, c'est que là, le stéréotype, il saute aux yeux, en particulier pour la femme. On voit tout de suite que la femme, c'est une maman avant tout. Jamais on dirait ça d'un homme, jamais on présenterait un papa avant tout pour un homme. Et par contre, l'homme, lui, il est vu comme un chef d'entreprise dynamique et donc jeune et avec plein d'ambition dans sa vie. Et donc encore une fois, dans ces deux affiches prises en regard, ce qu'on voit comme stéréotype de genre évident, c'est que la femme, elle est toujours ramenée à ses obligations familiales et à ses enfants, et que l'homme, il est là pour être ambitieux et donc avoir une vie professionnelle accomplie. Nous avons sélectionné des affiches où les stéréotypes de genre sont particulièrement marqués afin de les montrer aux enfants ou aux adultes avec qui nous faisons l'atelier et de les faire réfléchir sur l'influence des stéréotypes de genre dans la publicité. Donc ici, on a deux personnes, une femme et un homme, qui louent leur appartement à Paris, on nous indique. Sauf que ce complément de revenu va être utilisé de manière très différente selon qu'on est une femme ou un homme. Donc ici, madame, eh bien, elle, bien sûr, ce pécule, elle va aussitôt aller le dépenser en faisant du shopping. Monsieur, par contre, lui, va utiliser son pécule pour financer sa start-up. Et donc, en fait, ça montre que la façon dont les deux sont traités présente un gros, gros stéréotype, puisque, encore une fois, on nous montre madame comme étant la reine du shopping. Donc une activité relativement futile, alors que monsieur, lui, est entreprenant, va investir, monte une start-up, donc une image beaucoup plus positive. Pour utiliser cet atelier, il suffit d'imprimer les affiches, puis de les présenter au public. On demande alors au public de parler des choses qui les choquent dans ces affiches-là, et ensuite on peut parler de l'influence des stéréotypes de genre dans la publicité. Alors, ici vous voyez une affiche d'un salon d'orientation, le salon de l'étudiant. Et il y a trois salons, c'est une affiche nationale qui est un peu ancienne. Et sur cette affiche, qu'est-ce qui devrait vous choquer et doit vous choquer? C'est qu'il y a une représentation qui est déjà faussée. Pourquoi? Vous voyez qu'il y a deux hommes pour les grandes écoles, commerce et ingénieur, et les études et les métiers d'avenir. Et il y a une femme, une seule femme, qui elle est cantonnée à la santé, au social et au paramédical. Vous voyez que cette représentation est faussée. Et c'est très important d'avoir une représentation qui soit mixte pour pouvoir allouer les filles à faire des métiers techniques et scientifiques et également des grandes écoles et qu'elles puissent se projeter dans ce type de métier et que, à l'inverse, les garçons et les hommes puissent se projeter dans des métiers du soin et du paramédical et de la santé. Depuis, cette affiche a été corrigée. Il y a donc un homme et une femme pour chaque type de salon, c'est-à-dire les grandes écoles, les études et les métiers d'avenir et la santé et le social. Il ne s'agit pas de dénigrer ou de pointer du doigt les entreprises à l'origine de ces affiches, mais bien d'éduquer le public, donc les enfants ou les adultes à qui cet atelier est destiné, aux stéréotypes de genre dans la publicité. Ici, on a une affiche pour le ministère de l'Éducation nationale, donc c'est une affiche pour promouvoir des postes d'enseignants. Et on voit ici une femme, Laura, et un homme, Julien, avec des slogans en dessous. Donc Laura, elle a trouvé le poste de ses rêves, et Julien a trouvé un poste à la hauteur de ses ambitions. Donc déjà, entre la notion de rêve associée à la femme et la notion d'ambition associée à l'homme, déjà c'est un stéréotype intéressant. Ensuite, la femme, elle est dans un environnement plutôt cosy, à la maison, avec des couleurs chaudes, rose, beige. Elle a l'air assez dans une position assez décontractée, elle est en train de lire. Alors que l'homme, lui, il est dans un environnement plutôt bleuté, avec un ordinateur ouvert, associé à la technologie, au numérique. Et surtout, donc, la femme, elle est en train de lire chez elle tranquillement la journée, tandis que l'homme, lui, travaille tard la nuit pour répondre à ses ambitions. Et donc là, on a un stéréotype assez cliché, que donc, la femme est associée à l'environnement à la maison, tandis que l'homme, lui, il est associé au travail, à l'activité et au fait qu'il travaille davantage, ou en tout cas plus tardivement que la femme. Si vous aussi, vous souhaitez éduquer aux stéréotypes de genre dans les publicités, rendez-vous sur le site de Femmes et Sciences dans l'onglet Ressources.